Et bonjour Twitch, bonjour également YouTube qui regarde la rediffusion pour Twitch. Après quelques minutes de difficulté à lancer le live et à avoir une connexion potable, on y arrive enfin. Alors la leçon, vous l'avez, leçon du jeu, c'est bon. Vous avez le jeu, on est parfait alors. Alors on était en aller chercher machin chouette, oui, les schémas. C'est un sanglier, on s'en moque. On va donc faire ceci. Si on regarde. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça. C'est la dernière chasse au trésor. Et après, on partira sur les quêtes secondaires. Je ne sais pas laquelle. On partira sur de la quête secondaire. C'est pas ce qui manque. On en a quelques-unes, même si on arrive doucement mais sûrement à la fin du jeu. Petite info également pour ceux qui sont sur la live ou qui arriveront. Aujourd'hui, le live se finira à 20h30 au lieu de 21h. Parce que j'ai un truc à faire. Je suis occupé à partir de 21h. Et je devais me laisser un peu de temps pour faire d'autres choses. Enfin, pour quitter le live, lancer les coupures des rediffs. Et. Je dois trouver un moyen d'entrer. Et me faire à manger également. D'habitude, je mange avant. Là, j'ai décidé de manger après. Donc voilà, vous êtes au courant de tout comme ça. Non, c'est bon, mon micro est bien activé. Bonjour. Gardons la tête froide, pas la peine de s'énerver. Allez, crucifiez-le! Découpez-le! Tailladez-le! Butez-le! Cette face de craie pour l'un sans mêler. Hop. Laissez pas reprendre son souffle. À trois, on y va, tous ensemble. Bonjour les bandits. C'est bon tout ça? Les bandits sont nettoyés? Les bandits sont nettoyés, c'est parfait. C'est intolérable. Intolérable. Oh. Par les plaies de l'Ebiuda. Calmez-vous, c'est fini. Merci à vous, mon bon sire. Veuillez excuser cette perte de sang-froid passagère. Auriez-vous besoin d'une tenue, mon cher? Je cherche des plans, plus précisément. Je peux voir. Oui, regardons les articles. Êtes-vous disposé à... Alors, mais je n'ai besoin de rien. Et toi, tu ne veux rien acheter. Potentiellement, je sais pas, des trucs inutiles. Une bague en or. Des clous. Genre le filet ici. Allez. Je vais le dépouiller de tout l'argent qu'il a. Parfait. Que faites-vous? La villa semble à l'abandon. Elle est à vous? Ce n'est que temporaire.
Sur ordre du ministre du Trésor, je suis le curateur officiel du comte de Launay en ce qui concerne les propriétés et domaines. Le comte a disparu. Mais personne ne m'a prévenu que la villa vedette grouillait de brigands. Enfin, du moins, jusqu'à un passé très récent. Grâce soit rendue à votre héroïsme, sieur sorceleur. Au revoir. Merci. Au revoir. Je vais quand même me permettre de fouiller, hein, mais... Non, je vais pas ramasser tout ce qui traîne. Par contre... Non, j'ai cru qu'il y aurait des choses intéressantes. Ah, ça c'est intéressant. Ah, requis une clé. C'est peut-être eux qui ont la clé, hein. Couronne, clé, ordre. Un gras de papier de la cour de sa fétide majesté rôde du côté de la villa vedette. N'ai nul besoin d'expliquer pourquoi ça me déplaît, ni à quel point. Trouvez ce rond de cuir et tuez-le. Brûlez le bâtiment et tous ceux qui se trouvent là avec lui. Pendez-les. Pas de viol ou d'empalement, faites simple. Ensuite, retournez aux ruines d'Artbach. Parce que j'ai un autre boulot pour vous. Bien, est-ce que peut-être j'ai une info à lui donner? Ah. Cher Bartholomew, j'ai reçu ta lettre et je me réjouis que tu aies trouvé une solution à tes problèmes. Le sorceleur que tu décris te semble effectivement dangereux. D'ailleurs, tu m'as toi-même toujours dit que ce sont tous des monstres et des tueurs au cœur de pierre. Malgré tout, je crois que tu devrais accepter son offre. Si ses schémas présentent... actuellement de nouvelles méthodes révolutionnaires en armurerie, pour non seulement remplir le contrat confié par sa majesté, mais aussi faire une belle réputation, et je sais que c'est ce que tu aimes par-dessus tout. Aller demander la protection à des bandits installés dans les ruines du palais Artsakh me semble être une sage décision si les chevaliers n'ont pas pu avoir le dessus sur eux. Un sorceleur devait être intimidé en leur présence, les vermines ont toujours du respect entre elles. Sois quand même très prudent durant cette rencontre, on ne peut se fier ni aux bandits ni aux sorceleurs. Encore l'histoire d'une vie mise en péril et détruite par la cupidité et l'ambition. Hop, on a trouvé des choses intéressantes ici. Dommage. Pas besoin de fouiller plus, on a ce qu'il nous faut. Non, ce que je voulais, c'est la carte. Ah oui, c'est vrai, j'avais mis des points avant d'avancer. Mais très bien, on va commencer par ce point-ci. Oui, ça, parce que dans tous les cas, on doit aller là. Donc oui, on va tout faire les points. Faisons ça. Mais oui. On a un peu de nettoyage à faire dans les marais, donc... Miam, 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 une cuisse de poulet. C'est très bon, le poulet. Et le dernier. Alors, qu'est-ce que ce sera ? Raclure ? Ça me semble pas mal. Cette anse est très bizarre, il y a un tas d'hommes grisonnants au regard dur, des gars avec des centaines de meurtres à leur actif. Près de la moitié d'entre eux passent sa soirée à gribouiller dans un journal ou à écrire des lettres. D'où sortent tous ces fichus érudits? Monseigneur a réussi à m'apprendre l'alphabet avant que je séduise sa fille et qu'il me chasse.
Mais quelqu'un comme Sylvain Noirdan, comment a-t-il pu maîtriser l'art de l'écriture en voyageant avec un cirque et en balayant la mer de cage? Dernièrement, je montais la gare avec trois autres gars, mais au lieu de siffler du vin ou de péter dans le feu, ce qui aurait été normal, ils sont restés assis à prendre des notes dans leur carnet. Ce que je crains, c'est que Sterling Stragan apprécie la compagnie de ce genre de lettré et que je sois obligé de commencer mon propre journal. Alors, on va faire ça un petit dodo. Donc, est-ce qu'il y a une nouvelle anse? Les anses, c'est un peu des camps améliorés. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle anse? On ne sait pas. Mais on va descendre avant d'aller là. Là, on va faire les deux tours avant de faire la mission. Encore un camp de bandits, super. Ça c'est fait. Donc là il y a ce gros coffre. Chère mère, pardonne-moi d'avoir cuit sans un mot, mais tu sais que si père avait appris mes intentions, il aurait préféré me briser les genoux que de me laisser partir. Comprends que la vie de scribouillard de village n'est point faite pour moi. Je ne veux point finir comme père qui a passé toute sa vie courbé sur des ouvrages et à s'esquinter lentement la vue en passant des nuits et des jours dans des bureaux sombres. Je veux mener une vie d'aventure, je viendrai peut-être te rendre visite un jour, ma chère maman, en attendant, puisses-tu connaître la santé et le bonheur, ton fils qui t'aime, Fabrice. Ben, Fabrice. Alors, j'ai du mal. Entre le jeu Avatar, ou pour marquer un point d'intérêt, enfin un point de le checkpoint, c'est espace, et celui-ci, ou espace, dézoome la carte. Ah, je m'en sors pas. Hein. Je ne m'en sors pas. Le jeu Avatar est très bien d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je referai probablement un live bientôt dessus, peut-être le 20, qui sait. Parce que j'ai quand même de la mission que je peux faire en live, des missions de récolte et ce genre de trucs. Alors, ce que je peux faire c'est ça. Parce que j'ai vu une guenaude. Ou un autre truc. De la magie. C'est un site d'énergie. Il y a des nécrophages. Bon, on n'aime pas trop ça, les nécrophages. Un site de l'énergie Irden, là, de ce que je vois. Raté. Alors, si on regarde, hein, si on réfléchit, toute cette zone s'est enfin nettoyée, tout le nord. What? Ok. J'ai vu un long message, c'était pas en français, ça n'avait... Bref, Wisebot a banné quelqu'un, et c'est pas plus mal comme ça. Ça avait pas l'air net. Donc tout ça s'est fait... Tout ici c'est fait. En fait, il reste quelques-uns sur la... Ici, autour. Plus un ici. Une fois qu'on aura fait ça, après avoir fait la mission, on viendra là, je pense. Enfin, dès qu'on aura fini la récolte,
On viendra là pour le faire. Et les autres, on les fera au fur et à mesure. Alors non, je vais me rapprocher. Je garde Igni parce que c'est celui que je préfère. Ok, là on a un campement. On va jusqu'au petit matin. Ça doit être le camp de bandits mentionné par Jonet. Il y en a du monde. Là, tu m'as donné le OK. Il lance des sorts. Les purulents de les Bioda. Encerclez-le. Encerclez-le. Découpez-le. Tailladez-le. Pas la peine de s'énerver. Il est encore temps de renoncer. Hop, ici, déjà. Voilà, t'as plus le quai, problème résolu. Hop, on va aller par là, il y a encore du monde. Alors, il faut à nouveau réparer les pièces. Tous ensemble, à l'attaque. Hey, fais ça rire. La ferme est en garde. Attention, c'est normal. J'attaque indirectement. Pour faire un pli, pour la guilde de l'autre sans mêler. Allez, viens. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il
La prise de l'auberge de la Salamande d'Argent a bien détendu l'atmosphère, les choses s'étaient arrangées un peu dans les marais car nombre de mes hommes étaient partis en mission, mais notre anse est si immense que les ruines du palais Artak ressemblent toujours à un foutu bazar, on ne peut même pas se vider les boyaux sans être dérangé. Pour ne rien arranger, mes hommes font souffrir le martyr à cause de l'humidité, et même les gueuses ne me réchauffent point correctement, je dois vite trouver quelque chose avant que la bonne humeur des derniers raids ne disparaisse complètement et que les gens deviennent désagréables. Cette fois, il faut que ce soit un gros coup. Je pense de plus en plus au vignoble au sud, le domaine Coronata, il semble convenir parfaitement, ça vaut la peine d'envoyer des éclaireurs, peut-être même préparer un plan d'envergure. Ah, et il faut que je tire quelque chose au clair avec les gars, ils sont presque tous pris l'idée d'écrire leur mémoire comme de fichus gens de lettres, ils devraient s'entraîner à l'escrime ou à la chasse au lieu de se prendre pour des auteurs. Je tiens un journal, ça suffit pour nous tous. Je vais fouetter un ou deux de ces fils de Gourgandine et me torcher le fessard avec leurs journaux. Les autres comprendront alors peut-être, se comporteront peut-être en honnêtes bandits. Allez. Oui, bien évidemment, on va redescendre. Ah. La cavalerie arrive. Pour une fois, je vous ai laissé un peu de travail. Sorceleur, vous auriez un moment du célèbre Gérald de Rive, quel champion du tournoi. Un sorceleur, à votre seul service. Contre toute une bande de canards. J'ai juré loyauté à la duchesse et au code de chevalerie. Ok, on s'en fout alors, on va fouiller le site. J'ai toujours la gueule de bois. Prends et trouver quelque chose. Ah, là il y a quelque chose par exemple. Ah, trouver tous les schémas de grand maître. Ok, bah succès accordé. Tout s'est déroulé sans problème comme prévu. Bartholomé de Launay était aussi bête que snob. Le sorceleur est tombé droit dans notre piège, il surestimait son talent, il se croyait capable de faire face à tout. Au début, on a joué les bandits blasés, simplement, attendant simplement d'être payés. Quand Launay et le sorceleur ont fini par tomber d'accord, le sorceleur a laissé échapper qu'il cachait le reste des schémas aux fausses brumeuses. Il a suffi à un carreau pour se débarrasser de Launay. Je pensais que le sorceleur serait plus coriace, alors on lui a envoyé une paire, ou bien on a bien fait parce qu'il s'accrochait à la vie, même s'il était coincé face à terre. J'ai laissé les gars voir quelle douleur un sorceleur peut encaisser. Ils avaient bien bossé, alors ils méritaient de se détendre un peu. Ensuite, on a pris l'argent de Launay et on se rendra bientôt aux fausses brumeuses pour mettre la main sur ces précieux schémas. Le sorceleur et l'armurier n'ont pas eu de veine. Oh, diantre. Hop. Alors, objectif ça. Parce qu'avant d'aller en ville... la quête, c'était une quête secondaire, c'était maître parmi les maîtres. Avant d'aller faire ça, je veux nettoyer une zone. Le Gwent va causer ma perte. J'ai encore perdu. La garde maintient. Et après, je ne sais pas ce qu'on fera. On fera peut-être du Gwent. On fera peut-être une quête. Je ne sais pas. On a un peu de travail, mais on avance bien. Donc, je suis plutôt heureux de tout ce qu'il se passe. Alors, ici. Non, j'ai dit que je voulais pas aller là, je veux d'abord aller au moulin à vent. Hop. On va. Ok, à l'ouest, et donc le retour, ça sera complètement à l'est. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, il y a une grotte. Quelle puanteur! Par les larmes de l'Ebioda! Ça pue la charogne. Des nécrophages. Tout. Ah,
ça pue là-dedans. Ok. Et donc ? Non, c'est pas tout. Alors, du coup... Ok, ça s'est nettoyé. Voilà, c'est pour ça. Non, moi ce que je veux voir c'est la carte, est-ce que c'est considéré comme vidé ? Fallait peut-être aller parler à quelqu'un. Quelqu'un qui me dit tu peux aller nettoyer là-dedans ? Et du coup je dirais oui, c'est fait. Plus aucun symbole, ok. Faut que j'aille parler. Quel puanteur. Marchand. Par les larmes de l'Ebioda. Quel est le problème? On a l'habitude. Oui. Dans l'inter. Montrez-moi vos affaires, oui. Rien d'intéressant, par contre, comme tous les autres. Voilà, ça. Et ça, c'est quoi ? Parchemin. Hop. Voilà, t'es un peu plus riche maintenant. Adieu. Le duc de ça était le duc de...